de neiger. Puis je m'en vais à Ottawa. Fait que je suis arrivé à Ottawa, ma première fois dehors le Québec, dans ma vie, au Canada. C'est drôle parce que, traversant la frontière, j'ai vu l'anglais pour la première fois au Canada. C'est drôle à dire, mais pour la première fois au Canada, j'ai vu des pancartes en anglais. Bizarre. Puis je suppose que ça, c'est le métro ou quelque chose, je sais pas si c'est. Station de métro là, je monte en haut puis je prends le burrito. Je savais pas dans quelle langue je devrais parler. Puis j'ai parlé en anglais, mais je savais même pas comment parler anglais moi. Tu sais que ça faisait tellement longtemps que je parlais anglais. Je dois dire par contre, ça fait vraiment du bien de juste voir un peu de l'anglais. Parce que ça faisait tellement longtemps. Depuis mars, j'ai pas vu l'anglais comme affiché partout. C'est intéressant, mais comme c'est une ville bilingue, là, ça a l'air que l'anglais est toujours à côté du français. Pas un problème. C'est comme des choses que je vois pas vraiment souvent. Ben, sauf dans le cas de ça. Tout le monde autour de moi est en train de parler anglais. Oh mon dieu, je me sens, c'est moi. Mes premières impressions d'Ottawa. Personne parle en français. Je pensais que ça aurait été moitié-moitié bilingue. Ou peut-être qu'il y avait des anglophones qui ont. Ils auront parlé le français, mais vraiment, ça a l'air comme une ville que tu trouves aux États-Unis. J'ai trouvé Chipotle pour la première fois de ma vie au Canada. Ça n'existe pas au Québec. Des choses, des petites choses de même, là, ils sont ici. Je sais pas. On va devoir découvrir un peu ce qu'il y a ici dans cette ville. Je n'ai littéralement aucune nourriture, puis tous les oiseaux de même. J'ai pas quoi faire. Je suis entouré. Oh mon dieu, il est bad. Regarde, ils sont littéralement partout. Salut, oui. Là, j'ai pas de nourriture, ils mangent pas ça. C'est du sel. Je suis tellement proche à l'ambassade américaine. Je voulais le voir. Un petit voyage ici.
Alors, ouais. Salut Canada! Wow! Pis ça, ça c'est l'ambassade de mon pays. L'ambassade américaine. Je suis content de l'avoir trouvée. C'est énorme! Beau drapeau. Au-dessus. C'est vraiment, ça fait du bien de le voir. Ça a l'air tellement vite cette ville. Il y a plein de bâtisses. Mais juste comme... personne dans les rues. Il y a des beaux châteaux qui sont partout, là. Mais non, sérieux. Il y a comme château là, derrière moi. Château là. Château comme là, dans l'instant, sorcier, le Parlement du Canada, je pense. Mais ça a l'air comme un château. On dirait qu'il y a plus de châteaux qu'on trouve à Québec. Ben, on trouve combien là-bas, genre? Un, deux? Je sais pas. Château. Castle here. Château. Castle there. Château. Château. Castle there. Combien de châteaux existent en cette ville? It's hard to see, but there's a castle there. C'est une ville royale, apparemment. Alors, ici, là, c'est le canal Rideau. Puis voilà la rivière des Ottawa. Ben, ici, ça a l'air comme tous les drapeaux de toutes les provinces qui sont fichés. Et voilà, c'est vous le Québec qui est juste là. Puis là, j'imagine ça, c'est pour les soldats qui sont tombés dans la guerre. C'est un bel monument. C'est bien à voir un peu l'histoire des guerres au Canada. Ben c'est ça, comment vous savez, je suis pas canadien moi, parce que je sais pas quoi, premièrement, je sais pas quelle langue à parler en français ou anglais, ou à Ottawa, j'ai aucune idée. Puis deuxièmement, je connais aucun monument dans votre capitale. Je l'ai vu puis je l'ai trouvé trop drôle, The Bong Cleaners. On va nettoyer vos bongs, hookah et pipes. On livre, mais aussi on cherche vos bongs pour les faire nettoyer. Oh mon dieu, c'est drôle. Attends, c'est drôle. Fait que voilà, c'est ça en pleine vue. Évidemment, c'est vraiment beau. Je suis pas même canadien, moi, mais je le regarde comme si c'était vraiment de mon pays. Puis ça, c'est comme un feu éternel. C'est trippant, ça. Historique de la Banque de Montréal ou Bank of Montreal. Et ça, c'est la Chambre des communes. Wow! J'imagine que c'est la Banque du Canada qui est là, vu que c'est le musée du Banque du Canada. J'ai dit tantôt que j'ai pas entendu le français dans la rue, mais je viens d'entendre le français dans la station de bus, là, mais c'était pour le bus pour aller à Gatineau. Fait que ça fait du sens, peut-être. Oh, puis derrière moi, c'est l'édifice de Confédération. Assez cool. Puis on approche la Cour suprême du Canada. Fait que voilà. Ça, c'est la Cour suprême du Canada. Juste là, bon, la rue. C'est le ministère de la Justice ici. Le ministère de la Justice du Canada, pour une fois. Puis
Puis la dernière, c'est la bibliothèque et les archives du Canada. Grosse bâtisse. La plus grande bibliothèque que j'ai vue dans ma vie. C'est énorme. L'aile soleil se couche ici un peu plus tard qu'à Québec. Heureusement.